Le général Camille Macosso livre les vraies circonstances du décès de sa femme à ses détracteurs. Elle est morte d'une épilepsie. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Le décès de l'épouse du général Camille Macosso est le sujet qui a chamboulé la Côte d'Ivoire en cette période du coronavirus. Le révérend Camille Macosso est victime de vives critiques sur les réseaux sociaux, alors qu'il traverse une période difficile, notamment celle de Debordo Lipoufa, qui a fini par s'excuser auprès du général Camille Macosso. Macosso révèle maintenant les conditions réelles du décès de sa femme. Bon nombre d'internautes ont accusé le général Camille Macosso d'avoir tué sa femme, mais dans son interview diffusée par Ivoire TV Net, l'on aperçoit que cette douleur qui ronge le révérend Camille Macosso donne les détails sur le décès tragique de la prophétesse. Cette épreuve a fait réaliser aux veuves combien de fois la vie est bizarre et coûteuse. Comme il a toujours réitéré depuis le début de cette affaire, le général Camille n'a rien à y voir avec le départ tragique de son épouse, contre toute entente de ses détracteurs. Les explications du général Camille démontrent que le décès tragique de son épouse n'a pas été prémédité. Tatiana Kosseré est effectivement décédée dès la suite d'une opération chirurgicale. Tout est parti d'une douleur que ressentait la prophétesse au-dessus de l'abdomen. Ils ont fini par faire une opération en Côte d'Ivoire. De retour dans leur appartement, la prophétesse a fait deux crises. De suite, lors d'une petite querelle entre Macosso et sa fille, qui s'était enfermée dans sa chambre. Elle commence par faire comme une crise d'épilepsie. Elle commence par se serrer les dents, a révélé le veuf de Tatiana. Après l'administration de premiers soins, ils ont décidé d'aller à l'hôpital. À l'hôpital où l'opération a été faite, le médecin se rend compte qu'il n'y a plus de pouls, ce qui traduit le décès de sa femme. Une nouvelle qui a été très dure à accepter par le général Camille Macosso. Ces détails pourraient bien faire désormais taire ses détracteurs, qui l'ont qualifié de tueur.